Salut salut, moi c'est Janto. Là je joue ce soir pour le festival Bon Moment à l'autre canal. Je fais un style de musique qui s'appelle de l'hyperpop. C'est un mélange un peu entre plein de trucs, un peu de rap, d'électro, eurodance, gabber, de la musique pour faire la fête quoi. Non, c'est pas ma première fois à l'autre canal. J'ai joué ici pour la sélection des Inuits du printemps rouge, auquel j'ai participé après. Donc j'en garde plutôt un très beau souvenir. Le plus bizarre, je sais pas ce mot-là, appeler ça bizarre, mais je dirais que c'est la première partie d'Orelsan dans les Inuits. C'est quand même bizarre de jouer devant 20 000 personnes, c'est pas commun quoi. Donc c'est le plus bizarre, mais le plus impressionnant. L'artiste avec qui je rêverais trop de jouer, c'est Dorian Electra. Elle était hyper pop aussi et c'est vraiment trop incroyable. Donc ça c'est un peu un artiste rêvé avec lui. Ou Tommy Cash aussi. Ou Osepeno Chef. J'ai pas fait énormément de concerts. Je me souviens d'un concert qui m'a marqué où moi j'étais sur scène parce que quand j'avais 13 ans j'avais un groupe de rock. Je me souviens que je m'étais bien chié dessus. Déjà à l'âge là je stressais déjà un peu. Non, classique citron gingembre. J'en ai même fait le titre du prochain morceau qui va sortir. Mon morceau qui retourne la foule, honnêtement je pense que c'est un message de Cascada fait version un peu art style dubstep. Ma boisson en concert c'est de l'eau à fond, je bois. Si je fume pas, je pique une crise, ça passe trop vite. En vrai, je bois pas d'alcool avant de monter sur scène. De l'eau, je trouve un lambre. Non, pas du tout. Je suis pas du tout stressée, moi. En fait, c'est du stress avec un peu de travail de respiration. C'est du stress qui part en fait. Là, trop chaud parce que des gens assez tard, on voit 1h45, ça change de. C'est genre, je fais le festival à 16h, on est pas forcément en avant du monde. On va être en tout cas bien chaud. Là, franchement, j'ai jamais joué aussi tard, mais j'ai trop trop hâte. C'était incroyable, les gens étaient genre méga chauds. C'est assez petit le club, il n'y a pas énormément de monde, mais du coup c'est tout compact et vraiment c'était la fête quoi. Pendant 40 minutes, c'était juste 40 minutes de teuf, c'était trop bien. Et moi j'ai trop kiffé. Enfin voilà, je redescends tout doucement de mes émotions, mais incroyable. Merci, merci beaucoup, c'était trop bien. Merci, vive la vitesse!